Pas de danger immédiat et la ville est extrêmement sécurisée puisque les Français finalement sont restés ici et nous avons mis un dispositif de sécurisation en coordination avec nos amis maliens qui fait que la zone est extrêmement sûre. Les survols de toutes les façons de la ligne de front sont permanents, quels que soient les moyens qui sont mis en l'air, il y a des survols permanents qui ne sont pas toujours visibles de par l'altitude qu'empruntent les différents vecteurs évidemment. Mais il y a donc une surveillance systématique de toute la zone.